un ennemi sur des terroristes, là on est sur des sur une armée conventionnelle. Ce connard là, il a l'uniforme russe. Il a l'uniforme russe. Donc du coup il peut m'intercepter nos communications radio. Ça veut dire qu'il faut parler par langage codé un minimum et limiter l'utilisation de la radio. Même si c'est chiant, il faut limiter au maximum. Sinon on risque de se prendre une contre-attaque sévère. Et les Russes ils plaisantent pas là-dessus. Nous enverrons des tanks directement, ils vont pas rigoler avec ça. Alors ce qu'on a pu identifier, c'est que les Russes ont du coup livré du matériel qui a l'air quand même assez vieux, le matériel, ce qu'on a pu voir sur les photos. Il est assez vieux, mais ça peut toujours faire du mal. Il a livré le matériel à la milice locale pour qu'ils se battent contre les Américains. C'est pour ça qu'on a été engagé par les Américains pour neutraliser cet entrepôt de munitions avant leur débarquement. Donc on a pu identifier environ une vingtaine de membres sur cette zone. On sait qu'il y a un poste de garde ici, à la gare. Voilà. Et environ une vingtaine de personnels hostiles qui patrouillent dans ce secteur. Donc au niveau de ça, il faut faire D'accord. attention. La situation, on peut avancer, on avance. Si on déclenche l'alarme, on se prend une riposte sévère. Si on fait ça tout en discret, on place les charges, on s'éloigne, on fait péter. Direction Evasan. Contrôle ici. RS, go. Les lampes. Ok, Tux, tu prends l'arrière. Tu prends l'arrière, je vais prendre devant avec ma personne. Vas-y, go. Ok, ici Eagle One, on est en position à la gare. On se prépare à l'assaut. Mais là-haut, la première classe a fait de la merde. Ok, bien. On n'est même pas encore au hangar que l'alarme a été déclenchée. Ok, l'alarme est déclenchée, il faut avancer. Sentier en plan, on avance sur l'objectif. On neutralise les entrepôts. Bien reçu. L'ennemi va mettre 5 minutes environ à rappliquer. User joined your channel. On est à 4 minutes. Règle 1, votre position. 200 mètres, 200 mètres du hangar. Ouais. Allez, lance. Contact. Et inutile de le disque. Bien.
à gauche. Secteur. Ok, on est à 2 minutes, les renforts vont bientôt rappliquer. Ok, c'est bon. Vous avez un saut d'entrepôt, Eagle One. Vous avez des renforts pour un saut. Putain, il y a du matos ici. Hein. Des tanks T-72 avec des... Je sais pas ce que c'est ça, mais... Des mortiers. Ok, sécurité la zone. Ok, à tous, formez un périmètre de sécurité, les renforts vont arriver, on est à on est à 30 secondes, ils sont censés être là. On va devoir les accueillir, on n'a pas le choix. On va mettre 2 minutes à miner toute la zone, mais il va falloir accueillir les renforts. Il y a un carnage censé rentrer sur... Pour l'instant, on tient général. Véhicule armé, ouais. Commencez à se replier vers l'entrée nord. Non, l'entrée sud. Négatif, l'entrée sud. C'est bon, on peut se replier. Descends de ce silo, abruti. Pas le choix, va falloir tenir ici. On va laisser progresser dans le périmètre. Et on va faire exploser les charges. Contact à l'est. Loïc, fais gaffe à ta droite. Je sais, j'ai des contacts aussi en face de moi. Je vais faire sauter dans la flotte, dans la flotte. Dans la flotte. Bateau en approche. Bateau en approche. Sur la droite. Bateau à gauche. Avec nous. Ok, on grimpe. C'est bon, ferme ta gueule.